Allez, petite VOD de découverte de Coral Island. On va faire un nouveau jeu. Et déjà, on a le droit d'avoir différents corps. Attends, ah, je vais... Bon, d'accord, je vais faire ça à la souris, c'est chiant. Excusez-moi, je joue à la manette, mais en fait, à la souris, j'arrive pas à sélectionner ce que je veux. Voilà. On va faire une gonzesse. On va la faire... au milieu, tiens. Ouais, allez. On va lui faire des veuches. On a un style... Oh, mais oh, l'animation des veuches. Chelou, mais il y en a une. Pas trop long. Sinon, ça va rentrer dans les vêtements. Ce sera chum. Oh, c'est mignon, ça. Ah. On va pas passer 2 heures. Ah, des cheveux attachés, tiens, sinon. Oh, c'est un peu tristoun. Oh, c'est mignon. Et ça, c'est... Ouais, allez, ça. Elle peut avoir les cheveux verts, mais pas vraiment les cheveux rouges, déjà. Ah, personnalisé. Ah, voilà. Ah, voilà. Petite stache mou. Voilà, c'est important. Les yeux. Je mets les yeux jaunes, moi. Je vais faire des yeux jaunes. Hop. Nez, lèvres, mâchoire. Moins, voilà. Hein. Et du coup... Foncé. Ouais, non, mais rouge, noir. Ah, c'est peut-être pas mal. Oh non, celui-là est bien. Hop. Saisir ainsi. Tic-tac-touc. On peut personnaliser. Voilà. Nom de la ferme. Grité. Let's go. Vous en jetez plein de coupes, ça fait plaisir. Ah, on vous dit coucou la VOD. Ah bah vous avez sûrement vu passer. À son stache mou Dreamlight. Attends, la stache mou elle est pas rouge. Ça fait chelou quand même. C'est bien ça. Mais oui, façon la stache mou de Dreamlight, effectivement. Veux-tu vraiment créer ce personnage? Tu pourras changer les vêtements et la coiffure plus tard. Eh ben, let's go! Ça manque les cheveux rouges comme avant. Eh ben, écoute, si vous avez les moyens de me payer le coiffeur tous les mois pour que j'ai les cheveux rouges très intenses, pas de soucis. Mais voilà, sinon, non. Tu quittes Pokyo pour commencer... Pokyo, pour commencer une nouvelle vie sur Coral Island. D'accord. J'ai la ref. Ravie. Je suis contente. Ah, c'est pour faire manger aux cheveux rouges. Ouais. Pour m'acheter quelques jeux, mais c'est surtout que bon... Le coiffeur, quand t'es une nana, ça coûte vite très cher. Hein. Parce que t'as les cheveux longs, alors forcément, il faut mettre vachement beaucoup plus de teinture et faut faire vachement beaucoup plus d'efforts. M'énerve, ça. Alors qu'en vrai, ça change quasi R. Hein. Mais bref. Bonjour, Ox, content de te revoir à Coral Island. Ah, mais tu es déjà venu ton nouveau chez toi. Cool. C'est Connor de Détroit, il bosse pour les méchants. Mais Connor de Détroit, il bossait même pas pour les méchants, il était soi-disant contrôlé, mais ce qui est en vrai faux. Parce qu'il y a une faiblesse dans Détroit. Parce que... Théorie. À un moment dans Détroit, Connor essaye de... Bon, le jeu, je l'ai fait, il est dispo sur ma chaîne YouTube, donc voilà. Hein. Il essaye de sauver la donne, et au final, on se rend compte qu'en faisant ça, il a en fait bossé pour les méchants. Sauf que, quand on rate... Et ben on se fait tuer par ces soi-disant méchants qui en fait nous contrôlent. Ce qui veut dire que ça n'a aucun sens. En fait, ils voulaient pas qu'on fasse ça, mais ils font trop genre parce qu'ils sont mauvais perdants. Voilà, désolé. Bon, bref, j'ai pas trop spoil pour ceux qui ont pas fait le jeu, mais voilà. Y a pas une école de coiffure pas loin? Bah, tu choisis pas ce qu'on te fait en fait.
Tout simplement. Et ils ont souvent besoin, ils ont rarement... Je m'étais renseignée là-dessus. Et en fait, ils ont beaucoup besoin de bosser genre des permanentes, de bosser genre des types de coupes rares à faire et tout. Mais j'avais un peu demandé, et c'est pas du tout tout le temps, hein. C'est pas tous les mois que tu peux avoir une coloration, hein. Pas du tout. Hein. Et puis, bah, le problème, c'est que coloration rouge vif, quand je demande ça, très souvent, j'ai un truc pas spécialement très vif. Enfin bref. Parce qu'il faut aussi des colorations. C'est pas toujours prévu par leur truc non plus. Enfin voilà, tu choisis pas, quoi. C'est une coupe gratuite, mais à la base, on te dit « Ah, on va vous faire ça aujourd'hui. » T'es là « Ah, ok. » Et en plus, elle est pas à côté de chez moi, en plus, l'école de coiffure. En vrai, c'est pas à côté. Hein. Monsieur Ontologue, c'est un plaisir de te revoir. Je me souviens plus la dernière fois qu'on a eu un visiteur ici. Ah, tu as fait mon voyage. Tout s'est passé à merveille. Je sais pas encore très bien ce que je fais ici. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà fait tout ça dans une vie antérieure, peut-être. Ah oui, si tu recommences une partie, ok. Commencez par l'agriculture. Non, moi, je veux commencer par pêcher. La fille est seule. Oh là là, quelle coïncidence. On dirait le design un petit peu de ce que pourrait être la maman de Lilo dans Lilo et Stitch. Je me rappelle pas du tout du look des parents dans Lilo et Stitch, mais voilà, je trouve qu'elle a un peu la tronche. J'ai juste déterminé à remettre l'endroit en état pour notre nouvel arrivant. Ouais, je fais pas les voix flemme aujourd'hui. J'ai dit c'est le live de la flemme. Voici Dinda et Joko, les charpentiers de cette île. Ah, c'est Tom Nook. C'est chez eux que c'est à eux que je devrais casquer pour ma maison. Toujours un plaisir d'accueillir la nouvelle résidence sur cette petite île. Vraiment tout pareil que ça du coup pour le moment. Ouais, clairement. Un peu délabré, machin. Bonne nuit, Grisou. Très bonne nuit. Ça veut dire qu'on a fait un mauvais travail, c'est ça? Exactement. C'est un peu à chier. Repose-toi bien. Épouse Robin. Ah, un connard, évidemment. Désolé, c'était une joke là, on est encore au 1er avril. Non! Plus depuis 2 minutes. Malheureusement, pour l'instant, on ne peut que rafistoler toi. J'avais pas bien secoué, du coup j'ai bu de la poudre. Profiter les fuites et remplacer la partie du bois pourri. Si jamais tu veux faire plus de rénovation, tu peux passer à notre magasin. Voilà, c'est là-bas que je vais casquer, mais je savais. Tom Nook be like. Il y a Dredge en jeu de pêche. Mais oui, je le veux. J'ai demandé une clé. Je sais pas si je l'aurai, mais au pire, mon frère, il l'a. Donc je pourrais voir avec sa bibliothèque Steam pour y jouer. Donc je pense que je vais le découvrir la semaine prochaine. Dredge, j'ai trop envie d'y jouer. Ce sera la semaine pro, là, ce soir, de toute façon, je suis en mode d'andouille. Pas envie de me concentrer. On fera ça gratuitement. On fera ça gratuitement. Et tu devras nous ramener les matériaux. Ah, d'accord. Ouais, je comprends. On a mis des instructions dans la boîte aux lettres. Allez, temps de rentrer, à bientôt, tous les deux. Bonne chance. Bonne chance. Je cherche la clé aussi. Bah oui, il a l'air cool, hein. J'ai vu, mais c'est à cause d'MV. J'ai vu MV sur Dredge. Ça m'a donné envie. Du coup, on le fera la semaine pro, de toute façon. J'ai eu ton titre jusqu'au bout et on n'a pas eu de bisous. Bon bah révolte. Faut pas que je le fasse tous les soirs. Faut qu'il y ait des surprises, tu vois. N'oubliez pas, lundi, on est chez... sur JTV avec Jox pour du Burger Quiz. Voilà. Le juge Dredge, oui. Aussi, j'ai ça en tête. Donc tu peux le voir, tout le monde est enthousiasmé par ton arrivée. Oui, pourquoi ça intéresse tant de gens? On va aller rendre visite quand tu auras un peu de temps au propriétaire du magasin de la ville. Ok. Allons-y. Voici le champ dans lequel j'imagine que tu vas passer la majorité de ton temps. Non, mais moi ça va être full pêche, hein. Bon, si, j'aurai quand même, voilà, des trucs comme ça, on va faire un peu. Mais moi, je veux pêcher, moi. Comme Stardew, hein. Sur Stardew, on faisait que ça avec mon frère. On faisait quelques plantations, évidemment. Surtout pour le côté musée et tout. Enfin, maison communale.
Ah, même la tronche, effectivement, la tronche de du délabrement et tout, de toute notre terre, c'est vraiment du Stardew. Pas dans le meilleur état pour l'instant, mais je suis sûre que tu vas restaurer ça en un rien de temps. Je veux pêcher. En fait. Moi, je veux pêcher. Le coffre, oui, je vais mettre dans ce que je peux vendre. Je comprends, je connais. C'est ça, c'est pour ça qu'ils disent j'ai l'impression d'avoir joué au même jeu dans une vie antérieure. En fait, ça parlait de Stardew. En fait. Aussi un petit cadeau. Arrosoir, hache, faux et quelques graines aléatoires. N'hésite pas à revenir me voir si tu as des problèmes, des questions. Pour un bon saké. Saké. J'aime pas le saké. Ton chant. La nature a repris ses droits de faire nimp là. La nature a pris ses droits de faire nimp. J'aime beaucoup. Inspecter. Tu dois réparer ta maison avant de pouvoir. Ah, mais je vais voir ça à chaque fois. Attendez, je décale. Avant de pouvoir la décorer. Ah, je pourrais quand même la décorer. Allez, je vais dormir un peu. C'est pour troller. Je voulais juste voir si je pouvais dormir en plein jour. Je pensais qu'il allait me dire ah non, on peut pas dormir, il fait encore jour. Bilbo Saké. Allez, je déconne en fait. Non mais la souris va me gêner. Je vais peut-être jouer au clavier souris en fait. Juste parce que bah en fait voir la souris tout le temps ça va me saouler. Là au moins, bah j'en fais quelque chose. Bon ok, je vais jouer par clavier souris en fait. Tout m'énerve. Afin de réparer ta maison, il va falloir que tu fasses le plein de matériaux. Récupère 50 unités de bois, 28 unités de pierre. Ça devrait faire l'affaire. Une fois que tu as pété et repéré ces objets à toi, si cher piqué, passe à commander comptoir pour qu'on puisse commencer les travaux. La paresseuse sera terminée le jour même. Sérieux, c'est même pas le lendemain? Mais incre. Faut que je plante des graines 10, faut que j'arrose des graines 10. Mais avant, je vais visiter un peu quand même. Et c'est ça. Une Rafflesia? Non, c'est pas Rafflesia, c'est comment il s'appelle là, le Pokémon de. Des plantes aussi. Le Pokémon de James. Je peux aller dans l'eau? Non. Mais c'est très mignon. Hey, j'ai une sucette en 7. Rien dire ce que je viens de dire. Ah, la map. Votre avis, c'est quoi le 7 là? Bon, je prends la souris. Merde! Qu'est-ce que c'est? Un insecte? Non, attends. J'ai pas de filet. Je veux te faire de la collection d'insectes. Je peux pas. Mais arrête, espèce de folle. Collation artisanale pour satisfaire les gourmands économes. De la nourriture quoi, un repas. Ou c'est une sucette. Comment je change par contre à la manette? Ah ça va, c'est facile. Un peu chiant. Parce que faut, voilà, mais ça va. Noxomone, non. Cacnea, non, c'est pas Cacnea, Boostiflore. J'ai Kirito. Regarde, des cailloux, ils ont poussé partout. Mais c'est le problème des cailloux, ça se reproduit et ça pousse. Ils sont inspirés de Stardew. Et c'est assumé de leur part, oui, oui. Ça, je pense aussi que c'est assumé. Mais j'espère qu'il y a un peu d'Animal Crossing dans le style aussi, parce que bah, moi, je vois comme un mix des deux. Et notamment avec le musée, les insectes et tout, j'espère qu'ils ont reproduit le délire Animal Crossing. Parce que j'aime trop ça en fait. Moi dans Animal Crossing je trouve ça trop cool. On va faire un petit peu de plantation. Il y a la fatigue ou pas? Ah, il y a la fatigue, ça c'est un peu chiant par contre. Bon. Merde! Les fibres. Hein. Voilà. J'ai découvert un livre. Ah, j'ai découvert des fibres. On va à la bibliothèque pour le lire. Je peux lire chez moi aussi. Hein. J'ai des lampes. Hein. Ah merde. Ah voilà, ok. On va juste planter 2-3 trucs. Ah, j'ai envie d'interagir. Pas terrible. À la manette, c'est pas super ouf. Je pense que je vais finir par jouer au clavier souris, mais... Enfin, je rebagne et tout, les 1, 2, 3, 4, 5, parce que c'est en QWERTY, donc faudra que je me passe en QWERTY, que je rebagne tout, ou alors que je repasse pas en QWERTY, ou je sais pas ce que je veux dire.
Pas ouf la capture à la pioche. Oui, mais j'y peux rien. J'ai pas de truc. Puis il y a la musique qui s'arrête et ça aussi, ça m'énerve. Je vais être obligée de faire comme dans Stardew et mettre une playlist à côté. Voilà. Bon, allez, t'es prête, elle est prête. Les sorties de ta ferme qui sont au même endroit. Ouais, c'est vrai. Après, c'est pas... T'as fait pareil, parce que regarde, dans Stardew, il n'y a pas de lac ici. Ouais, ouais, mais je pense qu'en fait, ils sont peut-être un peu beaucoup, très beaucoup inspirés. Mais qu'ils ont rajouté quand même des choses. Du coup, on va voir. Pourquoi c'est 10 graines alors qu'on peut faire... Pour faire un carré parfait, on peut mettre que 9. Ça m'énerve. Hop là. À 15. Un peu plus alors. Si vous utilisez l'objet, attends, deux secondes, je fais. Fait comme ça, comme sur Animal Crossing, on va voir. Non, ça fait un par un. Mais peut-être qu'à un moment, je pourrais améliorer pour en avoir plus. Voilà, on plante ça. Ça va pousser, ça va faire des trucs de plantes, quoi. Comme ça, on va aller visiter un peu. Et on va voir si on peut se choper un filet et une canne à pêcher. Canne à choper. Visiter le bazar, oui. Mais j'ai pas de thunes. Ah, mais peut-être que... Attendez, peut-être que je peux trouver des trucs à vendre avant. On va essayer. Pas changer un azerty. Bah en fait du coup faut que je rebagne tout. Et ce soir c'est vraiment la soirée de la flemme. Du coup c'est pour ça que je joue à la manette. Mais bon oui sinon je le ferai. Hein. C'est quoi ça? C'est un truc que je peux ramasser ou pas? J'aime bien ne rien avoir dans la main pour arrêter de taper des trucs au pif. Voilà. Oh j'ai looté une graine d'érable. Eh dis donc. Ah, c'est de la musique. Qu'est-ce que je fais? Je peux pas faire ça, mais c'est pas grave. De toute façon, ça va. Vu que c'est, je vais pas mettre d'eau et pas planter de trucs, je parie que ça va se résorber. Ça a pas l'air de marcher de ouf, ça. Bon, je sais que le bois, j'en aurais besoin de fou. Donc ça, on peut y aller. Bon, tout, hein, après, mais... J'aime bien juste ramasser. C'est quoi, ça? Je viens de faire... Ah, on peut dasher. Oh, il y a une grenouille. Tiens. Ah, ça y est, la musique est finie. Moi, je trouve ça dommage qu'on a pas de musique dans ces jeux-là. Ça fait partie de l'ambiance. Oh, une géode! Faut appeler Nozman. Oh, la ref maintenant qui est beaucoup trop vieille, en vrai. Juste une option dans les paramètres. Ah, tu penses? Attends, excuse. Je vais regarder alors. Souris clavier, custom mapping. Non, faut refaire tout, hein. T'as deux custom mapping, mais c'est la même chose. En tout cas, c'est QWERTY, quoi. Je pourrais éviter les attaques des mauvaises herbes. Non, mais vu que c'est comme un Stardew, et ben il y aura aussi des ennemis. Il y aura des grottes à visiter.
Sinon j'enlève la musique du jeu au pire. Vu qu'elle s'arrête au bout de 30 secondes et qu'après elle reprend que 5 minutes après. Mais elle est sympa, elle a leur mimi, alors c'est dommage. Alors on va faire un peu de faux. Comme ça on chauffe des fibres. Hein. Exactement le truc qu'il n'y avait pas dans l'appartement où vous voulez déménager. Mais là il y en a plein. Ok. Qui va se passer pour les jeux, c'est pratique. Ouais, c'est vrai. Voilà, du coup, il n'y a plus de musique de nouveau. Il est quelle heure, là? J'ai l'impression que on est en... La luminosité est la même, que ce soit tôt le matin ou en fin d'après-midi. Ah, rôle de la musique. Bon, on verra. C'est lagué un petit peu, c'est bizarre. Bon, on va visiter un peu. Pas des parents. Pourquoi je peux pas aller? J'arrive pas à voir. Ah, ok. Oh, y a des parents. J'essaye de le saisir. Mais y a plein d'oiseaux là, vous avez vu? Oh, c'est trop mignon. Tu n'as pas la clé de cet abri et c'est bien normal, c'est pas ton ranch. Dégage. Oui d'accord, je m'en vais. J'y pense, c'est ouvert, tout est ouvert. Non, pas de panneau, y'a rien. Oh, de la maille des chevals. Oh pardon. Pff, ça va, ça va, ça va. Il aurait pu m'éclater. Oh. Mais moi je veux tout ça aussi. Oh, y'a un chat. De saisir. Ah non, c'est pas un chat, c'est quoi? Un raccoon? C'est une sorte de raton laveur? Pas un chat en tout cas. Ou alors il est chelou ce chat. Un chat lapin. Oh! Une antilope rose! Est-ce que c'est rose? Pas commun. En plus, il est scellé ce cheval déjà là! C'est lui la paire un peu! Alors, y a quoi ici? C'est le ranch meumeu! Fermé. Et voilà, on est à la campagne aussi, là. La campagne, ça se fait à 17h. Bon, ben, on rentre à la maison. Je veux toutes les bestioles, mais moi aussi. Mais en liberté, moi. Ce sera un gros Delbord. Mais ouais, il y a de la plongée et tout. Je veux la plongée aussi. Moi, je veux faire plongée et pêche, hein. Essentiellement. Ça va être bien mignon de récolter des trucs et tout, mais non. Quoi? Afin de réparer ta maison, il va falloir que tu fasses le playing. C'est que tu étais de... Tu m'as déjà dit ça, hein? Ou je fasse maintenant, c'est ça? 52 bois, 22 pierres. Bois, j'en ai combien? Il est où mon inventaire? Tu es ici. D'accord, mais mon inventaire, il est où? Tu es ici. D'accord. Non, mais oui. Inventaire! Où es-tu? Y et Start, ça fait la même chose. Ça monte la map. Il est juste en bas. Y a, je sais pas, autre chose, si, mais I. Ah, merci. Il m'en faut 50. Il me faut 50 bois. Let's go. Hein. Carré, tab. Bah, c'est pas ça, ma manette! Donc on va passer au clavier. Pas plus simple quand même. T'es une stagiaire. Tu es un stagiaire, Harry. Ouais mais flemme de travailler gratuitement en fait, non? Non mais c'est ma propre ferme en vrai. Ah c'est... Tu penses que... Mais moi c'est pas la luminosité, surtout les couleurs qui étaient un peu orangées constamment. Pour te répondre, Kirito, c'est vrai que je dis même pas à qui je réponds par rapport aux paramètres d'écran. Bon bah y'a un rôle de musique. Pour le moment on va récolter
On va récolter les trucs qui sont au sol et on va pas couper d'arbres, sauf s'il y en a un qui me gêne. Moi j'aime bien quand c'est le Dalbor. Hein. Bon je sais, ça n'étonne personne ici, mais ce que je veux dire c'est que moi j'aime bien voilà que ce soit comme ça, la tout fouillie. J'aime trop. Et on récolte pas du bois à chaque fois, j'ai l'impression. Mais c'est fort dommage ça. Mais bon, c'est quand même du bois qui est au sol. Ça, vous me direz hein, en vrai. Hein. Toute bûche n'est pas bonne à prendre. On faut 50. Ça va être long. Voilà, la souris apparaît. Attends, souris. Bon, j'ai pas besoin d'arroser au moins. Mais je vais quand même me crever de fou. Ah ça, franchement, l'endurance dans Stardew, c'était très chiant. Et c'est très dommage qu'ils aient gardé le concept. Et qu'ils aient pas mis comme Animal Crossing où on peut faire ce qu'on veut. Juste, on est limité par le temps qui défile un peu vite, quoi. Ce qui est déjà pas mal. Parce que franchement, la fatigue dans des jeux comme ça, ça n'apporte vraiment pas grand-chose. Je trouve. Quoi ça, je peux pas le ramasser. Oh, on peut secouer comme dans Animal Crossing. Il va avoir des clochettes. Tiens, mais tiens, tu vas faire tomber un truc là. Tiens. Allez, ton petit celui-là. Toi là, tu fais quoi? Tiens. J'ai même pas de clochettes. Putain, même pas de guêpes. Parce que on peut avoir des guêpes aussi qui tombent sur la tronche, mais bon, c'est un risque à prendre. Je mets en mode écran anti-lumière bleue. Ça me fatigue moins. Ouais, j'ai ça aussi, ouais. J'ai ça aussi, moi je le mets tout le temps. Du coup, je me suis trop habituée à ce que mon écran il soit assez, un petit peu, légèrement en vrai, c'est pas non plus énorme, mais légèrement jaunâtre. Mais je préfère les couleurs comme ça. De toute façon. Ok, bon, bah j'ai. Alors j'ai secoué des arbres, ça fait rien, mais c'est pas grave. Mais tu fais bien, ouais, Kirito, je pense. Pour les déchets, la faux te permettra de les enlever. Ah, les déchets. Ok, ah, merci beaucoup, excuse-moi, j'ai lu ton message tard. Ça peut être une info utile. On va quand même essayer d'avoir les assez de bois, mais je pense que avant la fin de la journée, ça sera peut-être chaud. Ah non, ça va aller. Il est presque. Par contre, ça, j'aimerais bien récolter. Est-ce que... Avec la faux, peut-être? Avec ça? Ah, voilà. Inventaire complet. Ah bon? Ah! Ah, merde! Qu'est-ce que j'ai eu, là? Assortiment de graines de plantes. On va vendre des trucs dont on va pas servir tout de suite. Genre la pomme de pin. Et le foin. Parce qu'on va pas avoir de bestioles tout de suite. Donc on va faire ça, déjà. Pardon. Ça, je garde hein. Le charbon aussi. Vu que c'en est que deux, quoi. C'est surtout pour ça, pour faire de la place. Graines d'érable. Pour faire poser un pommier. Oui, merci Royal pour l'info. Et du coup, voilà. Ok. Bon, on n'a pas beaucoup de place. En plus, mais bon, ça suffira. Du bois. Ah merci, c'est gentil. J'espère que vous passez un bon moment. Le jeu est tout doux. Le coup royal, bon, il est déjà retourné dans son bureau. Et voilà, on n'a plus de musique encore. Il est quelle heure? Il est 12h40, ça va. Merci, Elix. Les coups de pied dans l'arbre, ça fume. Ouais, j'avoue que j'aime bien aussi. David Goudenhoff. Peut-être couper un de ceux-là. Ça me fera un peu de bois en plus. Hein.
Oh, la fatigue que ça me donne. Ça me provoque. Ok, on a de la sève, du bois et tout. Ok. Je vais vendre la sève aussi là tout de suite. On en aura un autre moment. Mais là, on est bien. Ok. Voilà la zic. Mais là, on va aller au village, je pense qu'il va en avoir. J'ai envie de rien avoir dans mes mains. Mais il y a peut-être une touche pour ranger, mais je l'ai pas. Du coup, le rangement, on n'y était pas allé. Ok. Vache en céramique, vraiment très brillante. Et c'est qui ça? Jack. Tu peux m'appeler Jack. Ça sent bien parce qu'il s'appelle Jack. Gère le range du coin. Terrain a beaucoup d'espace pour élever du bétail. Faut que t'auras fini de t'installer, on pourra peut-être discuter de l'élevage de bêtes. Ensemble. Tu veux voir ma bête? Très bien, oui, je veux bien, mais en attendant, est-ce qu'on peut peut-être faire affaire sinon? Magasin animal. Magasin. Je peux acheter du foin et de l'eau. Du seau. Je peux peut-être vendre mes fibres, hein. Mais j'ai l'impression que j'en aurais besoin. Ok, bisous Jack. Quoique, j'aurais bien aimé voir combien coûtent les bêtes. Juste pour se faire une petite idée. Dans Stardew, c'était chiant pour avoir nos premiers animaux. 600 la poule. 2600 la vache. 15 000 le cheval. Animal d'écurie, animal de grange, animal de poulailler. Bon, comme d'hab, on commencera par les poules, là. Une émote animée de David Goudenos. Ouais, je sais pas. Je sais pas parce que je pense qu'elle existe déjà sur la chaîne de JDG. Déjà, je leur pique leur vocal, enfin l'audio du truc. Donc je pense que c'est un peu mal... Un peu pas fou. David Goudenos en émote de toute façon, je le mets juste en sonore pour des points de chaîne. Parce que pourquoi pas, mais voilà quoi. Je pense que c'est déjà... C'est déjà limite peut-être. Mais j'aime beaucoup. C'est quoi ça? Est-ce que ça pourrait être mes trucs à moi ça plus tard? Je sais pas. Récolter la première culture et visiter le bazar de Sam. C'était pas ça le bazar de Sam? Putain, il est où Sam? Et là, il y a deux citadés. Oui, non, mais donne-moi les titres des bâtiments en fait. Genre ça s'appelle comment? Ranch. Ok. J'aurais peut-être dû passer par un autre. Coin. Ça c'est mon terrain. Non, ça va, on fait pas du tout tâche. Donc ça c'est la ville, ça c'est chez moi. Soupe et je vais d'autres voix après, les yeux qui brûlent. Ah oui c'est vrai. Bon courage Infernalou. J'espère que tu t'en sors avec ta conjonctivite des enfoirés là. Là c'est bien ça qu'on dit. C'est pas comme ça qu'on dit, moi c'est Waku. Enchanté. Ah non, attends il est dark. Moi c'est Waku. Quand t'étais rencontré, papa m'a parlé de toi. C'est lui qui pilotait le bateau poulet. Ouais, celui avec le chapeau. D'accord. Ça ne m'intéresse pas. Carpenter. Un réel intéressant. Chibre cosmique. Merci beaucoup. Allez, là, je sors quand même la goïte salaire. Merci. Chut, le jeu. Bon, voilà, il nous fallait de la musique. Merci beaucoup. Je vais reprendre ce petit stream tranquillou sur mon tel dans mon lit. Ça marche, Ariella. Merci pour les tips, c'est très gentil. Et gros bisous. Et merci pour la bocado à Chibre Cosmique 68. Incroyable. Encore un nom de... T'as Chibre Cosmique, quoi. Encore un nom de compte, mais... Tellement ouf. Et là, tu l'as cherché, Chibre? T'as cherché le mot Chibre ou pas? Merci Mogamine Dark TNT. Je sais pas comment tu fais pour trouver tout ça, tu m'avais dit que tu cherchais, t'avais des inspi. Merci beaucoup. Joko! Ah t'es en vadrouille! Je crois que je vais rester à l'intérieur aujourd'hui, c'est à cause de la pluie. Oui. Et parce que c'est ton travail aussi.
Ok. Tu devrais pas entrer, tu ne sais pas qui va partir cette chambre. Bah, je le saurai quand je serai rentré. En fait... mais du coup, c'est pas eux les charpentiers à qui je dois... inspecter. Attention, ça a l'air dangereux. Non mais d'accord, mais c'est quoi la boutique, c'est ça? Ah, c'est ça. Magasin carpenteur. Schéma de poulailler de niveau 1. Ah ouais, d'accord, ok, mais c'est des sous, ça? Non, il fallait que je fasse quoi, attends? Magasin, améliorer la maison. Merde. Améliorer la maison. Je pourrais dire plein plus de choses, mais je te laisse découvrir, sinon ça va être chiant pour toi. C'est maladif les conseils chez moi. Je comprends, je comprends. Oui, oui, bah c'est clair que c'est plus sympa de quand même voir un peu solo. Mais pour des jeux comme ça, le backseat c'est pas très grave, je trouve. C'est pas... pas un jeu à histoire et tout, donc c'est moins gênant. C'est pas un jeu à énigme aussi. Mais merci beaucoup, des bisous. Enfin, des bisous, bon lurk. On y a un intérieur qui est possible de décorer. Ok, et ben let's go. Je m'en occupe de suite. Ah ouais, direct comme ça. Bien. Ah mais il me reste un peu. Donc c'est ici avec tous les matériaux de construction. Et ouais, tu voulais rester à l'intérieur, hein. Et bah t'es deg. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je m'excuse. C'est incroyable, Lox, allons-y, hein. Bah oui. Ils ont des grosses têtes les persos, je viens de me rendre compte. Les jokos se mettent à réparer votre maison. On dit c'est confortable. Oui, enfin... Non mais vous pouvez, vous êtes pas obligé de meubler hein, je m'en dis, ça c'est mon job hein. En plus, vous placez tout n'importe comment. Ah, c'est important la télé, hein. Vous pouvez la reprendre, les gars. Faut commencer par décorer. Oui, d'accord. Allez, merci. Un magasin de meubles en ville. Ok. Le boss, c'est lui qui tapotait sur l'épaule. Il faisait un gros bruit. On adore notre magasin, on a même un cousin qui travaille, c'est une affaire familiale. Ok. Allez, on va passer. La quête me dira ce que je dois faire. La maison va s'agrandir, merci hein. C'est une mission qu'il fallait que je fasse. Je vais voir si j'ai des trucs à vendre encore, mais non. Ça, on va garder. Bah ça faut que j'attende de toute façon, on va revisiter un peu mais il est 17h donc il va rien... je vais rien pouvoir choper de nouveau. Parce que moi je cherche toujours à obtenir canne à pêche et filet. Caravane de Ben. Observatoire, je vais aller à l'observatoire. Ça je pense que c'est le genre de truc, le genre de bâtiment dans le jeu qui serait ouvert tout le temps. Bon je connais pas un. Allez, on va remettre un peu de musique. Je pense que je vais la couper la musique du jeu et on va garder nos musiques à nous. Bah, elles sont mignonnes mais vu qu'elles elles sont jamais là, bah tant pis. J'ai moissonné des violets. Pas des violettes. Oh, il y a encore un insecte à choper. Putain, j'ai trop chopé l'insecte. Oui. Bon, c'est quoi l'observatoire? C'est genre le centre communal de cette version de ce jeu. Ok. Ok, bon, je peux rien faire pour le moment, mais je teste. Il y a une cuisine dans l'observatoire. Ah, il y a quelqu'un. Je devrais pas rentrer, mais ça a qu'à être fermé. Parce qu'ils ont tous leur maison là où ils travaillent. Et du coup, nous, c'est perturbant. N'est pas assez proche. Ah, c'est Waku. Ok. C'est ok.
Bon, je peux rien y faire pour le moment, mais j'imagine qu'une quête m'y amènera plus tard. J'imagine. Oh, y'a un panda là-bas! Il a l'air de jouer de la flûte. Ah non, il mange son eucalyptus. Son bambou plutôt. Eucalyptus, c'est à. C'est quoi là, non? Je sais plus. Ah, ok, y'a un petit truc. Oh, c'est joli, n'empêche, hein. Ah, c'est une école! Oh, je vais pas aller à l'école. Oh, c'est joli. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Après pour la version 1.0. D'accord. Quatrième mur, il m'a éclaté en pleine gueule. Ça fait un peu mal. T'as de la bouffe ? Là le lac. Oh, il y a un petit lézard. Je peux rien pécho. Moi c'est 10 pas. Bonjour 10 pas, je visite chez toi et puis je sors après. Hein. Merde, c'est donc vrai, bienvenue en ville. On a un nouveau scientifique en ville le mois dernier. Je me souviens plus de son nom par contre. En tout cas, j'espère que tu plais ici. Oui. Avec des flûtes en bambou, on pourrait faire jouer de la flûte à des pandas tout en les nourrissant. Ah, ils joueraient pas longtemps, je pense. Et ça, je peux prendre ça? Non. J'ai essayé. Non mais voilà, on s'adapte aussi. Oh c'est beau ça. Le cloche sur la maison. C'est pas une maison, c'est quoi? Trois citadins. Maison de Zoé à Naples, hein? Ah oui d'accord. Attends, c'est une maison mais qui est fermée. Qui est ouverte de 9h à 20h. Comme un commerce? Bizarre. Ah, c'est simplement pour me dire en gros, tu peux plus rentrer chez les gens à partir de 20h, c'est peut-être ça. Ok, donc ça permet de voir un peu au loin, vite fait. Ah, je suis coincée. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas ce qu'il dit. Ok. Oh, je peux descendre. Trop cool, il y a des grues. Des ronds. Ou des flamants roses. Mais oui, qu'est-ce que tu dis, c'est des flamants roses. Mais ils sont blancs. Mange pas de crevettes. Grenouille, ok. Mais c'est trop mignon ici, regardez ça. Est-ce que je risque de m'évanouir si je reste dehors trop longtemps? Je me demande quelles sont ces fleurs tombées en Nantes. Ouais, et puis il y a des trucs qui volent un peu aussi là. C'est quoi ça, c'est des briques? Oh, mais c'est grand quand même, inspecter. Accès interdit réservé à l'usage des festivals. Ok. Oh, je me perds un peu moins. Faut que je rentre chez moi pour dormir. Et je veux trop attraper les insectes. Y'a quoi là? Temple, Alun, pierre. Non mais je veux voir où sont les commerces. Ouais, je peux aller chez personne, il est 20h. C'est pas ici qu'on fera des grosses reçois, quoi. Ah, fourniture. Ah oui, d'accord, ça, je veux ça. Magasin de meubles. Et ça? Prise et poêle. Ah, là, il y a plusieurs commerces, là. Là-bas. Oula, des bruits bizarres ici. On comprend pas ce que ça dit. Bon. Alors cette île corailleuse, je sais pas pour le moment, je suis pas encore allée dans l'eau. Mais je cherche à avoir une canne à pêche. Mais là, tout est fermé de toute façon. Sans de coiffure, ok. Un coup de kiff ici. Bah, clinique.
J'essaie de repérer un petit peu où sont les endroits importants, mais pour le moment, j'ai pas trouvé. C'est quoi ça? Un resto? J'ai pas trouvé de store où... qui vendrait ce qui m'intéresse. Magasin général, bah c'est celui-là. Alors, attendez, il est où par rapport à chez WAM? De toute façon, il est fermé. Loin. Pas loin. C'est pas immédiatement après ma maison, quoi. Donc c'est loin. Mais c'est tout joli en tout cas. Après, il n'y a pas encore tout. Parce que bah, j'ai voulu interagir avec un objet et il m'a dit ce sera dispo lors de la version 1.0. Je suis d'accord. C'est très chill comme ambiance, c'est sympa. Allez, un petit dodo et puis on va acheter ça demain. J'ai rien vendu aujourd'hui. Oui, j'ai fait de la cueillette quand même. Et ben non, demain. Genre, tu me prends un truc qui est écrit dessus, disponible au prochain DLC. Bah disons que c'est... Ça n'a pas trop de sens, quoi. Mais bon... Un peu comme la commande sur internet. Tu dis, oh tiens, je vais prendre ça, et puis en fait, en route pure, il dira dispo bientôt. Tu verras. Je trouve que c'est un accent anticipé très vite, ok. Vous n'êtes pas les bienvenus! Bouh, bouh, vous êtes méchants, bouh! Bouh, Wendy, t'es sale vagabond. Peut faire fiche. Pardon. J'ai vu des tags sur des murs pressifs to run. Ah, c'est marrant ça. Je vois tout ça. Chers habitants de Starlet City, si passionné. Tout ce tumulte est inutile. Poisson Globe n'est pas là pour détruire quoi que ce soit. Nous, c'est tout le contraire. Nous sommes là pour sauver la vie. Cessez de mentir, Madame Poisson Globe. On sait tout ce que vous voulez faire ici. Vous pouvez m'appeler Karen. Hein. T'appelles Karen, j'ai même pas fait gaffe. J'ai même pas fait gaffe. Vous pouvez préciser votre pensée, madame. Petit. Merci d'avoir acheté notre jeu, tu pourrais jouer prochainement avec un DLC. DLC disponible. Tu pourrais jouer DLC disponible prochainement. Ouais, finesse. Avec un DLC disponible prochainement, je vais arriver. Méchante s'appelle Karen, incroyable. Marée Noire qui a ruiné nos plages l'an dernier, c'était votre faute. Les vieux yeux ont déjà beaucoup trop vu d'atrocités. On veut pas d'une société de forage, Madame Poisson Globe. Alors arrêtez de diviter votre petit discours et laissez-nous tranquilles. Nous valent notre travail. Ah, vous décidez en fait. De toute façon, c'est pas toi qui décide, hein. Nous sommes une société de forage pétrolier. Mais les choses ne sont pas toujours aussi manichéennes que Madame Betty le prétend. Y'a pas besoin de vos salles. Ouf. Hop. Si je peux me permettre, chemise rouge. Nous pouvons redonner vie à Coral Island en faisant venir des tonnes et des tonnes de nos travailleurs. Une fois que nous aurons transformé le musée en centre de stockage de pétrole et qu'on aura brûlé la Joconde pour en faire du fioul, nous étendrons des sites de forage au lac et à la plage. Vous voyez où je veux en venir? Ça va être trop beau en fait. Genre à la place de la vie et de la nature, vous aurez un centre de forage. Elle est envoyée par JDG, je pense. Beaucoup de nos travailleurs voudront s'installer dans cette ville mourante. Poisson Globe aider Coral Island de devenir une magnifique ville pétrolière. Voyez-vous? Créant des emplois et attirant nos meilleurs talents. En peu de temps, vous verrez toute cette ville revivre. Imaginez un peu ça. Des travailleurs de Poisson Globe partout se relaxant sur la jetée, bon, qui n'existera plus parce qu'on aura paumé. Allant se balader dans la forêt, bon, qui sera devenu un parc forêt aussi. Ce sera magnifique. Merci d'avoir acheté de l'ESC qui te donne accès au prochain DLC. Non, mais ça va, c'est une orly.
Non mais ce qui est bien, c'est que le jeu essaye pas trop de nous influencer. Moulfrit, t'as provient d'avis quoi. Moulfrit quoi. Chemise rouge, c'est un t-shirt, connasse. Ça va prendre du recul, ok bro. Gardant les choses en face, tout en reculant du coup. Tout le monde se fiche de cette charmante petite île. Laissez-vous sauver, laissez-nous vous sauver, laissez-nous vous aider. Je veux vous aider à m'aider, à t'aider, à vous aider. À tout raser. On va faire parler de vous, suffisait d'accepter notre offre. On vous paiera en visibilité, vous inquiétez pas. Moi je pense que cette fille est sympa. Nature c'est bien mais l'argent... Hein, à cause d'elle qu'on a en pénurie d'essence. Quand vous parlez d'aide, vous voulez dire fort et partout, c'est ça? Les investisseurs de Poisson Globe vont faire de gros profits, réfléchissez bien. Ces profits vont tout ruisseler jusqu'à... vont tous ruisseler jusqu'à vous. Sans vous attendre. Pardon notre sang-froid les amis, on résoudra rien si on agit sur un coup de tête. Merci de m'accorder votre temps, Madame Karen. La porte est toujours ouverte, monsieur le maire. Le maire avec son look de pêcheur. L'air d'être quelqu'un de confiance. Oui, je pense. Hein. Moi, je pense que on, là, on a la gentille. Révolte! Ah Alex, ça, je vous connais. Enchanté de faire votre connaissance. Bah, tu me connais, donc c'est pas ma connaissance. Prenez pas cette air surprise, vous me connaissez pas. Je m'appelle Karen et je fais partie de la société Poisson Globe. Ça va, je l'avais pas encore trop compris. Et merde, lui, je croyais que c'était un touriste. Moi, je croyais que c'est un pêcheur. Genre notre tonton. Bah. Ou un Fernand Angelus qui essaye de pêcher. Qu'est-ce que j'ai de nous, là? Comme ma FIFA. Ah, cette île est en train de mourir. On le sait tous. Les gens refusent juste de voir la vérité en face. Il vaut mieux essayer d'en tirer une meilleure partie. Du coup, s'il a brûlé, ça peut me permettre d'avoir de l'essence. Bon, bah, je fais. Je comprends. Mais pourquoi je la connais? Enfin, pourquoi elle me connaît? Pourquoi on se connaît? Hein, voilà. Ok. Apparemment, j'arrive pas à lire, en train de mourir. Ok, sympa l'ambiance. Salut, elle a l'air de Booba! Mais non, c'est pas qu'elle va mourir, hein. C'est que, comme d'hab, il y a les méchants. Il y a les méchants qui veulent brûler le monde pour faire un parking, et puis il y a les gentils autochtones qui veulent la nature. C'est Stardew, quoi, hein. C'est Stardew. Là, c'était la première, l'une des premières cinématiques. Attendez, Carpenter! Moi, je veux pas Carpenter, moi, je veux le General Store. Mais je m'en fous qu'il y ait des citadins, je m'en fous de... Moi je veux... Je peux changer de zone? Oh, je vais pas faire ça. Moi je veux des bâtiments forgerons. Manoir de la colline. Vineland Greenhouse. Labo. Ah c'est là-bas! Dans cette zone-là, c'est genre... Là. Magasin général de Sam. Ok, on y va. Macro-explosion, mais grave! Ça dégoûte quoi! On veut oublier nos problèmes et puis là on a des problèmes. Oh! Tout ce que je vais pouvoir récolter ici! Oh, mais what the fuck is that shit? Je peux pas utiliser le centre de recyclage. Alors, si je descends là. Oh, des pigeons ils font ça! Vous avez vu le pigeon? Mais il est fantastique ce pigeon! Lui, zéro give a fuck de tout, lui. Lui, il kiffe la life. Lui, là, lui, il a tout compris. C'est exactement l'état d'esprit dans lequel je veux être aujourd'hui. C'est exactement l'état d'esprit dans lequel je veux que vous soyez. Je veux que vous pensiez, pigeon. Regardez, n'a-t-il pas l'air heureux? Il est sous la pluie. Il s'en fout. Le monde va brûler. Il s'en fout. Lui, il kiffe. Juste, il kiffe. C'est un kiffeur. Sur la campagne. Ouais. Regarde. Il danse au son de ses propres pets. C'est génial.
Elle meurt que le pilote vient d'y revenir. Mais c'est pas vrai du tout, il y avait déjà un bâtiment de machin là. Coïncidence, je suppose. Ça va plus dit Saturne une fois que tu leur auras parlé. Ouais, mais disons que c'est pas. En fait. Bon, maintenant je sais que le drop store là c'est le truc de Sam, donc je sais qu'il faut que je cherche un Sam éventuellement. Mais bonjour, jolis cheveux roses. Léa. Tu as dit que tu travailles dans l'agriculture, non? Ça explique ta tenue et l'odeur. Je te déteste. Elle me déteste, je crois. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que j'aimerais bien qu'il y ait en gros écrit quels sont les... Pardon, je me suis coupé la parole et puis je vais pas continuer. En gros, quels sont les bâtiments? Parce que quand je fais ça, voilà, on voit Citadin, mais on voit pas en gros ici, Coupe-Tif, ici ça. On voit des logos, mais du coup, je sais pas, voilà, il y a des endroits où il y a même pas des logos, j'ai l'impression. Et du coup, voilà, genre, je préférais voir en gros plutôt magasin, boutique, machin, que citoyen. Bon, fou. Le labo, ok, alors il faut que je descende. Trop pas, je crois. Non, trop pas. Et d'où magasin de Sam, là? Bonne situation, ça pigeon, bonne question. Un pigeon parisien, allez, ça y est, là, il ramène tout. Sam, allez, on va voir Sam. Ça a l'air sympa, ça. Déjà, j'aime bien son petit nœud pape. Je savais que tu finirais pas de frayer un chemin jusqu'ici. Oui, attends. Faut des panneaux un peu, hein. Je vais te présenter personnellement au propriétaire de ce magasin. Voici Sam, dirige cet établissement depuis un petit mot de tonne. Bonjour Locke, si t'as plaisir de faire ta connaissance. Bienvenue au bazar. Ici, ils sont vers presque tout ce qu'il te faut pour mes soins agricoles. Je parle des graines que je veux ici, ce banane saisonnière, n'oublie pas. Il y a besoin d'aide, pousse un cri. Oh putain, je fais attention de me dire ça. C'est attention. Sur à côté de la caisse, il y a Strouse. Il est gentil, Sam, hein. Pour enfin légèrement réduire ton stock de graines. Je fais ce que je veux. Avant que tu partes, Lox, ton arrivée dans notre petit grand paradis t'as assez inattendu. C'est sûr que beaucoup de gens ont stressé. Enfin, plutôt, sont curieux, quoi. Voilà, quoi. Moi, je vais pas tout raser, hein, contrairement à l'autre, hein. Bon, je sais pas, en fait. Non, en fait, ça... Oui, j'ai bien compris que c'est pour pas que tu cherches les persos. Mais disons que les commerces, c'est bien de les mettre en gros, quoi. Au moins, visible. Discrimination, ouais, c'est ça, ouais, ça discrimine les pigeons parisiens, j'en étais sûr. La vie n'est pas trop compliquée à retenir. Pourquoi ne pas couper l'herbe sous le pied et te présenter aux gens de la ville? Non, mais attends, moi je veux acheter une canne à pêche, un filet, bordel! Ah, c'est bon. Rencontrer des citadins. Je vais rencontrer des citadins. Oh, mon c'est préféré. Je te préférerai. Je peux acheter du pain, des carottes. Des graines plutôt. Super. Oui, d'accord, mais en fait c'est. C'est là-bas. Mais moi je veux d'autres choses. C'est un sac de combien? C'est une graine à chaque fois? Ça sent moire ça. Oui. J'avais pas cette pièce. J'ai essayé de l'arnaquer, mais ça a pas marché. Là, ici, y a de la bouffe. Rien de volodeur, du pain frais. Ça, c'est bien vrai, ça, bordel. Oh, oui. Elle va. J'espère qu'elle est polie, si elle va, parce que sinon, elle va te faire foutre. Everest. Pff, Everest, c'est pas un nom, ça. Pour une montagne. Encore, on a qu'une. Pas commun. Pêche et filet, c'est genre de quête. Quoi? Bon, bonjour à toi aussi, je m'appelle Marcy. Où viens-tu? C'est sympa d'avoir enfin quelqu'un qui fait du tourisme en ville.
mettre le volume principal un peu moins fort. Merci, cool. Bah, ils ont l'air tous. Enfin, non, j'en sais rien en fait. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que je vends, moi? Ah oui, pas des graines, attendez, mes graines de navet. Je peux toujours pas planter ça. Hein. Récolter. Hop là. J'ai raté. Ok. Ah, mais j'avais déjà des navets. Massi soit-il, massi d'est. Non mais j'aime bien que vous tentiez des jeux de mots en vrai, c'est mignon. Bon bah faut que je rencontre des citizens. Du coup on y va. Si c'est une quête d'avoir la canne à pêche et le filet, on va essayer de speedrun pour les avoir. Et je voudrais aussi pouvoir après me baigner et je serai content. Diving! Ah, c'est par là, la diving. Mais je suis sûr qu'il faut que je rencontre un pêcheur, moi. Oh, regardez, ton insecte! J'adore, je vais attraper des insectes. Oh, ça a l'air trop cool! Oh, moi, je veux tellement. Je veux tellement me baigner. Ok. Oh, c'est qui toi? Wow! Madame! 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 Retournez-vous, je suis juste derrière vous, madame! Madame! Je crois qu'elle veut pas me parler. Pourtant, j'ai crié fort. Moi si, Seigneur. Bisous, Moglobin Dark. Très très bonne nuit. Merci beaucoup pour la bocado. C'est très gentil. Bisous, bisous, bisous. Est-ce que c'est toi, Lox? J'ai failli pas te reconnaître dans cet accoutrement. Ah, on se connaît? Oui, qui emménage dans le lotissement, hein. C'est qui serait la nuit. Ça juge un max mon swag, là. C'est quoi, ça? C'est un hôtel? On dirait un hôtel ou... Oui, on dirait un hôtel, hein. Un hôtel. Allez, go, un petit doudou, là. Ah mais oui, mais parce que des gens me connaissent de base. Parce que j'étais déjà... Je viens de cette île, genre. Ouais, c'est ça. Suki! Bien salut, content de te voir! J'ai rencontré Suki. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je rencontre des gens. Bon, bah le diving, c'est pas pour tout de suite. Oh, ça dégoûte! C'est vrai qu'il pleut, hein. Mais qu'est-ce qu'il pleut? Qu'est-ce que ça pleut? C'est vrai que je peux ramasser des fleurs. Non, mais j'ai déjà plus de place dans mon inventaire, à vous. Ah, c'est sûr, j'ai déjà plus de place. Pêcheur là, moi je sens bien le pêcheur là. Oh, c'est sûr, c'est un pêcheur. Un pêcheur, toi. Tu veux des conseils en agriculture? Pas du tout un pêcheur en fait. Jamais travailler la terre, je suis un gars de la mer. Ah, t'es trop un pêcheur. Sauf avec mes plantes ici.
Jolie plante. C'est un phare. Mais oui, le pêcheur habite dans le phare. Mais il est super cosy, le phare. Regardez le phare. Quatre napèches identiques. Sirène incisive est gravée sur chacune. Je peux pas les voler. Il y a deux saisons sur cette île, les ouragans et les accalmies. C'est comme en Belgique. Hein. Vole une canne, mais oui, j'ai essayé. J'ai pas pu. Ça dégoûte. Bon bah je vais rencontrer d'autres citizens. Pour le journal, pour récupérer ta récompense. Ah j'ai une récompense. Le Delbor. Oh, le Delbor, je vais jamais pouvoir passer. Mais... Ah. Qu'est-ce que je vends là, moi? Moi, je vends des fleurs. Hein. Ah, je vends ça aussi. Les fibres, j'ai gardé. Je sens que j'en avoir besoin bientôt. Et ça, je vais planter. Hop. Oh non, c'est pas ça, c'est ça. Les graines se ressemblent. Ok. Nature, elle se met en plein milieu. Un sup. Oh, mais je veux trop pêcher. Est-ce que je me suis présentée à ces gens? Où sont mes quêtes? Là-haut. Ah, il faut que j'aille à la bibliothèque. Je peux faire un chemin avec des ordures. Non. Merci. Ah, j'ai eu ça. Les citadines. Attendez, on va continuer à parler à des citadines. Y a pas un bar? Un truc comme ça? Comme y a dans Stardew? Ok, faut que j'aille. Attendez. Là. Ok. Ok, on y va. Ah, tout le monde va au bar, il me prévient même pas. Christ. Plus tu fais un temps de chiotte, j'ai à peine d'arriver et tout. Y'a personne qui va me dire, hey, viens. Allons nous bourrer la gueule. Ah, beaucoup de savoir-vivre des eaux. Attends, c'est qui, toi? Qu'est-ce que je fais? Oh, c'est une serre. Bon, ouais. Oh, il y a un coffre. Non, faut que j'aille à la taverne. Moi. C'est Mimi, hein. C'est très Mimi, quand même. Ah, on est dans le truc de vin. Ok. À 9. Ok. Donc je continue, je descends, je vais à droite. C'est grand quand même. Hein.
m'attendais vraiment à un truc minuscule. C'est pas minuscule. Or que le pétrole, ça prend pas de place. C'est pas là. Sûr de ce que t'avances là. Oh, trop stylé. Je vais dedans. Dis-moi qu'il y a un jeu dans le jeu comme dans Stardew, je serai heureuse. Hein ? Don partiel d'Olivia Barnes. Le Hog 19x7. Ah mais c'est un corail. Et oui, Coral Island. J'ai la ref. Elle est dingue. Oui non mais je veux en aller. Je veux pas aller là. Ah oui, je suis de ce côté. Salut. Attends, on va bien. J'ai toujours pas à croire que cette femme a parlé à papa de la sorte. Ouais. Tu t'en mets, hein. T'as qui vient t'installer? Tu me laisses tranquille? Ah non, attends. Plutôt. Tu me laisses tranquille, tout se passera bien entre nous. Regarde ma couille. Walter! Je trouvais qu'il y a acheté le terrain. Devrais-je dire la ferme? Ah tiens, salut, pour être honnête, tu ne ressembles pas à l'idée que je me faisais de toi. Hé, hey, t'es de Pokyo! Moi aussi, je suis de Pokyo! D'accord. Est-ce que il y a un jeu dans le jeu? Faites quoi? Oh, son globe. Tac. Ah oui, j'ai déjà rencontré lui. Toi là-bas. Je connais pas encore, je crois. Ah, c'est fait. Voilà qui est fait. Mais je peux pas jouer avec vous. Piscine, ce mini-jeu sera prêt dans la version. Alors non. Non. Tu vas pas te foutre de ma gueule comme ça. Ok, il y a un carré avec une couleur légèrement bleutée au milieu. Quoique quand même très vert. Mais ceci n'est pas une piscine. Pas tout à fait. Mais il va y avoir un mini-jeu du coup, ça c'est bien. Mais c'est une confusion courante. Une piscine à boules. Je peux jouer bien, non? Non. Chanter. Test 1, 2, 3. 1, 2, 1, 1. Oh, tu sers un coup? Café à 150 boules, c'est bien, c'est pas la moitié de ma fortune. Ou un plat raté. Ah, je peux vraiment acheter un plat raté. C'est pas un truc que je fais sciemment d'habitude, moi. Là, du coup, j'ai rencontré assez de gens, non? Oh non, toujours pas! Là, en tout cas, j'ai parlé à tout le monde, je crois. On va sortir, on va essayer de voir si on croise d'autres gens. Des nocturnes. Zara. Je t'ai déjà porté. Viens de t'installer en ville. Tu vas emménager après la marée noire? Je m'appelle Zara. A plus. Comment ça, je suis pas assez proche de Zara? On vient de s'échanger trois mots. Je vois pas ce qu'il vous faut de plus. C'est marrant que les maisons aient des horaires d'ouverture. Je le comprends, hein, par simplicité, mais je trouve ça rigolo. Ah, je fouille. Quoi, c'est quoi? J'ai quoi, un fantôme? Un poisson fantôme? Voilà, hein? Attendez, j'ai... Moi ton inventaire. Tétra fantôme noir. On nageait dans l'île de la rivière. Je suis sûre que ça, si je le mets chez moi, ça fait un aquarium. Je vais essayer de le mettre chez moi. J'aimerais trop que ça fasse un aquarium comme dans Animal Crossing. Deuxième musique de fond que j'ai mis, elle est sympa. Je vais où là?
Local produce. Bon, on va se barrer. Je peux pas ramasser le trèfle, non. Si je fais ça. T'es qui toi? On s'est déjà parlé? Oui. L'air est si doux pour le printemps. Oh, non, mais non, l'air est pas doux là, il pleut sa mère. C'est quoi toute cette étendue? Je vais où là? Oh, encore des insectes, pardon, je t'ai tapé. Je vais où là? Qu'est-ce que je fais? Oh! Je vais. Hein. Ah, d'accord. Le garage est très petit. Oh! Je parie qu'en arrivant à minuit, ça va dire: attention, va te coucher vite ou tu vas mourir de fatigue! Jusqu'à demain quand t'auras fini de dormir. Oh! Oh, ouais, ça c'est bien, je peux ramasser les trucs sur la plage, c'est déjà ça. Ça c'est des ordures, ça c'est quoi? Inspecter. On sait qu'il n'a rien de spécial. Alors pourquoi tu me permets de l'inspecter? Excuse-moi, je peux te poser la question aussi. Inventaire complet, ça se stack pas ces merdes? Ah, c'est à mon inventaire, ça m'énerve. L'organisme dans une scène assez mélancolique avec la musique qui va avec. Et en fond, il y a Lox qui met des musiques de Mario Kart en jouer. Et oui, il faut zéro give a fuck dans la vie, hein, Témonia. Ne l'ai-je pas déjà dit? Oh, mais c'est ça qu'il faut, c'est là qu'il faut que j'aille. Cabane de la plage. Mais voilà, c'est ici qu'il faudrait que j'aille. Je suis sûre que c'est ici que je pourrais avoir la canne à pêche. Est-ce qu'il y a un raccourci? Genre, si je passe par là, je peux rentrer chez moi plus vite. Vraiment bien. Auberge! Il y a une auberge! Sérieux? On me dit pas à moi! Non, d'accord! Ah, c'est ça, c'est l'auberge, ça? Pétard, un abutre! Oh, Sam! Ah, ils m'ont toutes pop dessus, dis donc! Bande de coquines! Juge Ross! Ah oui, d'accord. Bonjour, présidente! Ça fait plaisir de te rencontrer, tu m'appelles Valentine! Elle m'appelle enfin par son titre! Raj! Bonjour, je crois pas te connaître. Tu viens d'arriver en ville? Je pense que j'ai rencontré plein de gens là. Je t'ai rencontré toi? Je peux pas te parler. Je peux te parler, mais attends. Oui, d'accord, allez, attends! Ah! Le portel! Mais pourquoi il se réunit? Attends, qu'est-ce que c'est que ce genre là? Pourquoi tout le monde se réunit dans la même chambre à coucher? Avec une enfant en plus? Oh, la soirée chelou. Vas-y, je m'en vais. Hein. Je peux te parler à toi? Non! D'accord, je me tire. J'ai pas retouché, forcément, j'ai plus de Game Pass. Mais il est pas encore sorti officiellement, donc de toute façon, effectivement, je pense que c'est peut-être intéressant d'attendre encore un peu pour y jouer, parce qu'il y a plein de petites choses qui apparemment rajoutent pas mal de choses. Qui ne sont pas encore dispo. On va essayer de poser le poisson. Je peux pas le poser. Ça t'écoute. Ça t'écoute. Nanana. Ça, je peux pas mettre là? Bah non, bien sûr, j'ai une armoire. Pour quoi faire? Pour mettre des fringues. Y a pas de piscine à boules par exemple, effectivement. Bonjour, je m'appelle Marc. Je sais déjà qui tu es. Je vais pour te donner une info importante. Je sais ce que tu as fait. Et je ne te lâcherai pas. Tu ne pourras pas fuir tes responsabilités. La caverne au nord-ouest d'ici est désormais ouverte. Il faut traverser la forêt. Prends le chemin à gauche quand tu vois l'orange de Jack. Elle était fermée, hein? Non, j'ai pas très bien suivi, là. Ouais, elle était fermée. Mais maintenant, elle est plus... Vu que je viens de te dire qu'elle était ouverte, j'ai les sourires à tout va en t'envoie. Hein? Les sourires à tout va en nettoyer les niveaux supérieurs de la caverne. Y'a plus de monstres, tu peux désormais t'y promener. Rien ne va pas trop loin non plus. Ton râteau ne te sera pas d'une grande utilité là-bas. C'est tout. Va parler avec Kira. Si
tu veux en savoir plus. Moi, j'ai fait mon boulot. Je ne te quitterai pas les yeux. Perte de temps. Mais dégage! Vous pouvez pas m'envoyer une lettre? Une boîte aux lettres? Vous pouvez pas t'abstenir et pas me parler? Pourquoi? Attends, j'en peux plus. Ah, suivant, d'accord. J'ai moins de faire passer le temps. Tu préfères peut-être gagner des pièces supplémentaires pendant que tes cultures poussent? N'en dis pas plus. Viens me voir, Eleanor et moi, à la cabanon balnéaire. Nous avons des cadeaux de bienvenue. Oh, on y va. Découvre le sac de base. Il possède 20 compartiments. En tout, cela représente 5 compartiments de plus que la ceinture à outils de base. En se pensant plus et faisant plus, sans te soucier de quoi que ce soit, disponible dès maintenant au bazar pour une blinde. Une dernière, j'ai fait un malaise. Au début, je pensais que tu ne respirais... Attends, Lox, la nuit dernière, tu as fait un malaise. Au début, je pensais que tu ne respirais plus. Tu m'as fichu une de ces frousses. Et c'était très tard, quand je suis tombée sur toi. Alors, j'espère que tu ne travaillais pas à une heure indue. J'ai demandé à Yuri de te ramener chez toi et de vérifier si tu allais bien. Tu trouveras 6 juin. Ton ordonnance. Fallait me laisser. On va pas vous en faire, hein. Allez, la corbeille. On va mettre ça. Arrête! Je peux récolter? Je peux pas récolter. Je peux pas. Trop tôt. Il est trop tôt pour se traiter, trop tôt pour récolter. Bla. Il était overbugué. Ah ouais. Première mise à jour. Sur le Game Pass, on a tous perdu nos saves. Ouais, bah c'est le problème des early, ça c'est déjà arrivé, ouais. Sur tout ça, le studio a fait « Oups, désolé, les gens du Game Pass. » Sympa. Vite, c'est quand même parce que les débuts sont graves. Oui, c'est vrai que c'est long au début. J'avoue que j'avais eu ça sur Animal Crossing, par exemple, j'aurais un peu pété un câble. Il n'y a pas d'eau. Attendez, j'ai même pas essayé d'aller là, moi. J'ai besoin d'une clé pour ouvrir ce cellier. C'est pas mon cellier de chez moi, de ma maison. Je pète la serrure. Je suis une dingo, moi. Des fois, je mets des chaussettes de couleur. Bon. Ah oui, il faut que j'aille voir Eleanor. Tenez. Là, je crois. Eleanor, Eleanor. Inconnu. C'est où qu'il fallait que j'aille? Ah, je crois que c'était au truc de Ben, non? Enfin, je sais plus. Je vais regarder ma lettre. Ça a merdé que sur le Game Pass. Ah oui, c'est un petit peu dommage. Bagueur de l'île, un peu, ouais. Comment je lis mes messages, moi? Cabanon balnéaire. Ah, mais voilà, c'est ça que je veux! Oh, J'y vais tellement! Un pigeon qui fait de life. C'est pas ici. Je peux aller par là? Station balnéaire, elle est où? On va passer par notre jardin. Je peux pas récolter. Hein. Ah! J'ai fait des bêtises. Histoire! Là? Non, ça c'est pas ça la station balnéaire. Auberge.
Il y avait aussi deux zones plein de zones pas accessibles pour. Donc des quêtes pas faisables. Ah oui, d'accord, t'avais des quêtes par rapport à des zones qui étaient pas. Ah oui, c'est un peu dommage, toi. J'ai fini tout ce qu'on pouvait faire et entre temps, bah, plus d'abo. J'ai pas trop envie d'y rejouer avant qu'il soit finalisé. Ouais! Je pense que c'est bien d'attendre, ouais. Je pense par la pêche. Oui! Donne-moi une canne à pêche! Hein? Un plaisir de faire ta connaissance! Moi j'ai envie de manger du fromage. Hein, voilà. Hein. Je vais faire des amis. Oh, c'est bon, j'ai ce que je voulais. Je m'en fous des amis. On va pêcher, regardez. J'ai un polyphème. Une maman avec une paire d'yeux sur le dos. Hein? Une maman? Ah, j'ai pas pu la voir. Qui ça? Ah, c'est ma sien. J'ai fait de là à là. Un dépliant. Il nage bien le dépliant. C'est énorme le terrain. Mais oui. Sympa et utile complètement. C'est ça, mais j'arrête pas de me dire, c'est comme dans Stardew, on m'en vient. Sauf graphiquement, mais du coup, autant jouer à Stardew. Bah, je pense qu'il y a, comme je dis, un côté un peu plus Animal Crossing dans pas mal de petits points, donc c'est ça qui peut m'intéresser, moi. On va voir. Bonne nuit, Infernalou! Moi, j'avais pas prévu de faire un gros live, donc je sais pas si il va encore jouer longtemps. Ah, j'ai que des dépliants, donc. Ah, mais attendez, à tous les coups, c'est parce que j'ai une canne à pêche pourrave pour pêcher dans la mer. Théo, j'ai entendu parler de toi. Tu viens de San Francisco. Tu te lances dans l'agriculture. Ça. Ouais, j'ai envie de lui faire un accent hispanique. Kratos. Je m'appelle Théo. Parce que Théo, ça le fait bien avec l'accent hispanique en fait. Théo. Alors quand tu dis la française Théo, ça fait un peu Théo quoi. Mais je vais essayer de pêcher à côté de chez moi. On va voir. Oh, un chat puis un autre chat. Je parle à Peanut, miaou. Et à Butter, miaou. Ok. Je commence à pêcher les raccourcis. C'est ravissant ici. Corbeille expédition, bah ça va dégager. Et là on va essayer de pêcher ici. Non, pas cela, c'est des connards. Merci à Farnalou du bijou. Bonne nuit. À tantôt. Ah oh mince, j'appuie sur la mauvaise touche. C'est quoi une ordure encore? Mais what? Faut que j'améliore ma compétence de pêche peut-être? Oh, c'est pas fou hein?
Ouais, une vraie poubelle cette saison, tu m'étonnes, ils s'inquiètent pour le pétrole, inquiétez-vous de ça aussi quand même, hein. Pas normal, hein. Enfin! Bah dis donc! C'est pareil actuellement le lac. Même dans la Seine, il y a des poissons quoi! Ok. Est-ce que je fasse ça? Hein, de quoi? Pour l'ouvrir, apporte-la au forgeron. Ah! Ouais? On a le temps peut-être. Attends, on va y aller. Il est loin, je crois. Pas où est le forgeron. Je l'avais vu, hein. J'étais persuadée qu'il était dans ce coin-là, mais peut-être pas du tout. Hein. Pas toutes ces milliards d'icônes, il y a trop de trucs à l'écran. Et bah je sais pas. Ça me fait mal aux yeux de chercher. Je peux pas taper une recherche quelque part. L'époque du pétrole et des forgerons, ouais, je me suis dit pareil quand j'ai vu le forgeron, je me suis dit aussi dans ces jeux-là, t'as toujours des forgerons, des trucs dans le genre. On est à l'époque de TikTok malgré tout, tu vois. J'étais persuadée que t'es dans le... Ah, il est... Ah non, c'est charpentier. Ange. C'est Jaco. Ça fait mal aux yeux de chercher en fait. Je trouve ça très désagréable à force. Ok, là c'est un café. Magasin général, labo. Électronique de prise. Ouais, c'est... Ouais. Le fameux magasin d'électronique de prise. Bah je sais pas où c'est. On va... Promener. Aucune idée d'où il est. Il est 15h en plus, le temps qu'on trouve, et ben il sera fermé. Quoi ça? Ah c'est l'observatoire. Tu connais pas le magasin d'électronique de prise? Merlin le roi. Merlin le roi. Ah ça... Un gars qui fait de la magie, ça, n'importe quoi, mec. Quoi ça? C'est un resto, ça. Maison de bain. Pareil, hein, comme le magasin d'électronique de prise. Récolter la première culture, ouais, mais je ne sais pas comment, ça veut pas, ça veut pas.
vendredi. Farm Hot Spring. Ok. Tu confonds avec Rabat Confo, le fameux magicien. Ils vendent que des anguilles électriques. Oh mais écoutez, on entend des singes. Ah non, ça se pêche pas des... Voilà. Hop là. Je me suis perdu dans la forêt. Ouais, mais ça c'est charpentier ça. Oh, ça me saoule, je l'avais trouvé tout à l'heure. Ranch. Maison. Sanon. Caverne. Nana. Non, non, non. Non, manoir, manoir, manoir. Ok. Centre de recyclage, mais c'est ma maison. Maison. Un phare. Voilà, inconnu, on s'en fout. Villa abandonnée. Maison. Café. Bar. Clinique. Tac, ok. Maison, bateau. Magasin. Labo. Électronique de prise, meubles. Magasin de fringues, manoir. Maison poisson globe. Maison. École. Maedipa house. Ok. Ok. Bah non alors, mais j'étais persuadée d'avoir vu quelque part. Ou alors j'ai peut-être pas encore débloqué. Là! Putain de forgeron, c'est mort! Ok, tac. Ok, let's go! Ah! Il est 16h50, il est fermé, voilà. Oliver, je sais, c'est cru-tu. Oliver, pourquoi? Pour rien! Dégage! C'est quoi, là? C'est la forgeon. Tu veux dire métal de travailleur? Quel tueur. Elle est sur trop remontée là, qu'est-ce que je fous là moi? Pas facile hein. Pas facile. Bonjour Forge Roman. 18h. Les 18h20. On rentre chez moi facilement là. Ah, c'est loin. Eh c'est loin. Pas courir hein. J'essaye mais je peux pas. Beaucoup dans le jeu. Ouais. Il me faut un cheval hein. Où est-ce que je suis là? Sors ton campement et dors devant la boutique. Je ferais ça, hein. On va pioncer, on va partir à la première heure, là.
À la pêche, c'est déjà mieux. Non, j'ai vendu qu'un seul truc comme potable, le reste c'était des ordures. Dégage la souris! Allez, ramasse! Non, mais tu veux pas ramasser ça? Ah, ça aussi c'est comme Stardew. Le jeu est comme Stardew. Alors, on va passer direct à droite là et on va monter. Oui c'est ça. Allez, let's go. Bon, c'est charmant, n'empêche. Présenter centre communal, faudra qu'il remette des trucs. Désolée, je connais. Hein. Valet Stardew, ouais. Ouais, ouais, c'est complètement ça. C'est vraiment complètement Stardew Valley. Malheureusement, c'est même plus qu'inspiré. Ça aurait pu être un petit peu... Alors, faudra voir quand le jeu sera terminé. Mais là, c'est vraiment trop proche sur plein de points. Plein. Quoi, 9h ? Ah ! On va pêcher. C'est un hommage. C'est le, ouais, c'est un peu au-delà, ouais. Graphiquement, pas des masses quand même. Ah non, heureusement, j'ai envie de dire. Effectivement, non, il est joli. Il est joli. Mais voilà, on va dire que c'est vraiment Stardew enrobé dans d'autres graphismes. Alors c'est très sympa, mais quand t'as connu Stardew, du coup t'as trop... Je pense que si t'as pas connu Stardew, justement, tu préfères un jeu plus joli, c'est bien. Je trouve effectivement ce jeu bien plus joli, je préfère aussi. Hein. Mais j'ai trop joué à Stardew pour... Pour avoir l'impression de faire quand même un autre jeu, parce que là vraiment à part les graphismes, c'est trop pareil. Oh. Allez, on en teste un dernier puis on va au forgeron. Sur Costia là. Bien. Mais t'es où? Il était plus bas. Ici. Ça va vous? Allez, forgeron man. J'ai des coffres, j'ai les deux. C'est ça? Je peux pas le déplacer au moins. Ah voilà. Ok. Merci. C'est mon inventaire qui est plein. Allez, on rentre à la maison. Non. Et les ordures, j'en ai marre, hein.
Ok, on rentre à la maison, je vais déposer ça. Et puis on va se laisser, je pense. Hein. J'aime bien en tout cas la capture d'insectes et la pêche. Mais est-ce qu'on aura un musée ? À voir. Vraiment très dommage qu'ils aient vraiment tenu à faire trop comme Stardew et qu'ils aient mis de l'endurance parce que ça c'est chiant. Ça rajoute pas grand chose. Oh, je vends. Artefact, je vais garder. Hop là. Arroser. Hop là. Et voilà. Bon. Bon, je pense que si... Alors si ça fait une sauvegarde en fin de journée, je suis obligée d'aller dormir pour sauvegarder, j'imagine. J'imagine. C'est ainsi que se termine la petite découverte. Je te fais des bisous de VOD. Je sais même pas combien de durée, attendez. 1h48, bon. Des bisous. À plus tard. C'était Coral Island.